Tu vas? Et à l'école, ça va? Oui, ça va, papa. J'espère que les cours se sont bien déroulés. Oui, papa. Alors, rentre à la maison, tu vas manger. Ta maman a fini de faire la cuisine. D'accord, papa. Bonsoir, maman. Bonsoir, maman. Bonsoir, maman. Bonsoir, maman. Oui, maman. Ok, je vais garder le repas à la cuisine. Maman. D'accord, maman. Merci beaucoup. Bonjour. Imam, comment est-ce que tu vas? Ah, ça va, là. Imam, il y a de la place. Monsieur Traoré s'est inquiet aujourd'hui. Ah bon, Imam, pourquoi? J'ai aperçu votre jeune fille en train de s'embrasser avec les jeunes délinquants du quartier. Quoi? Les jeunes délinquants du quartier. Ma fille? Oui, votre fille Agirati. Ma princesse? Oui, votre princesse Agirati. Oh, Imam, je suis dépassé. Mais calmez-vous, mais j'ai un autre gars à vous proposer. Ah bon? Un de mes fils. Imam, je suis très dépassé. Je dis, calmez-vous, j'ai un autre gars à vous proposer, un de mes fils. Je vous écoute, Imam. Il aime la religion, il pratique la religion comme vous le souhaitez. Oui. Je vais aller essayer de parler avec lui, puis on va revenir. Il n'y a pas de problème, Imam. Je vais essayer de régler ça à l'intérieur. Salimam! Salimam! Oui, mon mari! Oui, Salimam! Salimam, je suis déçu et dépassé. Qu'est-ce qui se passe? Salimam! L'imam vient à peine de quitter ici. Il a aperçu notre fille au rond-point du Carrefour en train de causer avec un délinquant, un fourrier, un voyou. Ma fille, ma petite Agirati. Notre petite princesse, bien sûr. Non, 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 ma petite fille ne peut pas faire ça. Elle est bien éduquée. L'imam l'a sûrement confondu avec une autre fille du quartier. L'imam de toute une communauté ne peut pas se tromper. Bah, s'il dit qu'il a vu votre fille, c'est qu'il a vu notre fille. D'accord, vu que vous ne faites pas confiance à votre fille. Mais le dernier mot reste à moi. Je vais vous répondre plus tard. Revenu pour vous parler parce que oui, on a vu quelque chose de lui sur vous, comme on le dit souvent. On a vu une mandule sur vous, donc on ne peut pas aller par l'avant sans vous parler. Oui. On est là-bas. Évidemment. Toutes les membres dans ma maison sont venus, mon frère. Cher imam, j'ai entendu votre guerre. Monsieur, c'est quoi votre nom? C'est Daniel Moïsan ici. Vous faites quoi dans la vie? Je suis entrepreneur. Ah bon? Ouais. Attendez, cette nouvelle ne peut pas passer en l'absence de ma femme. Salima Tou! Ma précieuse épouse. Oui, mon cher mari, je suis là. Ma tendre épouse, nous avons une visite ce soir. Oui. C'est l'imam qui est venu nous voir et le prétendant à qui je vais donner notre fille. Notre fille Agirati. Notre fille Agirati, notre princesse, notre bonbonne, ma chère femme. Je suppose bien que votre décision elle est déjà prise. Elle est déjà prise. J'ai décidé de donner la main de ma fille à ce monsieur car il me prend au critère que je veux. Hadi! Hadi! Oui, papa. Dépêche-toi, ne me fais pas attendre. Salam alaikum. Alaikum salam, ma fille. Ma fille, tu vas bien? Oui, je vais bien. Ce monsieur que tu vois là, j'ai décidé de lui offrir ta main, ma fille. Quoi? Évidemment, c'est ce que tu as bien entendu, ma fille. Papa, tu as oublié que j'ai un cœur. J'ai pas oublié ça. Papa, je vais jamais me marier avec lui. Quoi? Je vais jamais me marier avec lui. Imam, non. Je m'excuse pour le comportement de ma fille. Non. Je suis vraiment désolé. Je suis très désolé, Imam. J'ai honte. Je ne sais pas quoi faire.
l'État. Franchement, merci beaucoup. Merci. Pensez à déstabiliser l'éducation de la famille.
L'éducation a un excellent moyen de cette contre cette pratique. En allant à l'école, les filles ont moins de chances que les femmes de se trouver mariées, et de subir des violences. Respectez le travail. Ensemble, luttons contre l'injustice faite aux femmes. Le patrouillement de la femme. Vive la femme guinéenne, vive la femme des autres femmes. Je vous remercie.